Donc il y a quelque chose que tu connais déjà en fait depuis longtemps, depuis que tu as appris à faire les multiplications, c'est le fait que si on multiplie un certain nombre par le chiffre 1, 1 fois x, eh bien on obtient x. Le fait de multiplier par 1 ne change pas le deuxième terme de la multiplication. Et Donc cette propriété un peu spéciale, bah, c'est ce qu'on peut appeler en fait l'identité. On peut dire que le chiffre 1 parmi les scalaires, c'est l'identité. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir s'il existe une analogie, s'il existe une certaine matrice identité, telle que lorsqu'on multiplie cette matrice identité par une seconde matrice, eh bien on obtient toujours la seconde matrice. Donc la question qu'on se pose dans cette vidéo, je vais la réécrire ici, c'est existe-t-il une certaine matrice que je vais appeler I Voilà notre matrice I telle que la multiplication de cette matrice I par n'importe quelle matrice de dimension compatible, eh bien, nous donne toujours la seconde matrice. En fait, si je multiplie A par cette matrice identité, je ne change absolument pas notre matrice A. Le résultat est la matrice A elle-même. Donc on peut faire l'analogie avec le scalaire 1 qui ne change pas le nombre lors d'une multiplication. Donc est-ce que cette matrice I existe et est-ce qu'on peut décrire plus précisément ces éléments Alors pour être un peu plus concret, ben on va prendre une matrice A. De taille 3,3 Je la détaille ici. Ces éléments sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà notre matrice 3 3. Donc là, je t'encourage à faire une pause dans la vidéo, à essayer par toi-même bah, de construire cette matrice I telle que I fois A soit égal à A. Ok, c'est bon alors c'est parti, je donne la solution. Donc je reprends notre matrice grand A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je sais que cette matrice grand A, je vais la multiplier par une certaine matrice I que je cherche à construire. Donc je la dessine ici. Et donc le résultat de cette multiplication matricielle, eh c'est la matrice A qui n'a absolument pas changé, donc qui est toujours constitué de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc le premier point qu'on peut regarder, ben, c'est déjà la dimension des matrices en jeu. Donc on a la matrice A qui est une matrice de taille 3, 3. Donc bien sûr, avant et après la multiplication, elle n'a pas changé de taille. 3 lignes, 3 colonnes pour la matrice A. A partir de là, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur les dimensions de la matrice I donc Pour que cette multiplication matricielle soit définie, eh bien il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la seconde. Alors le nombre de lignes de la matrice A, c'est 3. Et donc ici, le nombre de colonnes qu'on doit avoir pour cette matrice I, ça va être 3 aussi. Et ça c'est pour que la multiplication soit bien définie. Ensuite, la matrice résultat, on sait que le nombre de colonnes de la matrice résultat est déterminé par le nombre de colonnes de la seconde matrice. Et enfin, on sait également que le nombre de lignes de la matrice résultat, donc 3 ici, eh bien c'est déterminé par le nombre de lignes de la première matrice. Donc nécessairement, sachant qu'on a une matrice 3-3 en résultat, eh bien on doit avoir 3 lignes dans cette première matrice. Et pour que... La le produit matriciel soit bien défini, eh bien, on a également trois colonnes. Donc, simplement en analysant les dimensions de la matrice A et en suivant les règles pour que le produit matriciel soit bien défini, eh bien, on peut en déduire la dimension de cette matrice identité qui a trois lignes et trois colonnes. Alors ensuite, comment remplir cette matrice I Eh bien, on va simplement détailler le produit. Donc, ce premier élément ici, résultat, donc l'élément qui vaut 1 eh c'est le résultat du produit scalaire entre la première ligne de la première matrice, que j'entoure en jaune ici, avec la première colonne de la seconde matrice. Donc si on fait le produit scalaire, on aura quelque chose fois 1, plus quelque chose fois 4, plus quelque chose fois 7, qui est égal à 1. Donc intuitivement, la solution la plus naïve, j'ai envie de dire, qu'on a envie de mettre pour remplir cette ligne, eh bien ça va être 1, 0, pourquoi 1, 0, 0 Parce que ça nous donne cet élément de la manière suivante 1 x 1 plus 0 x 4 plus 0 x 7. Donc la question c'est en ayant choisi cette première ligne, est-ce qu'on peut bien retrouver les deux autres éléments de la première ligne de la matrice résultat Si on regarde l'élément 2 par exemple, c'est le résultat du produit de cette première ligne avec la seconde colonne que j'entoure ici en rose. Donc ça nous fait 1 fois 2 plus 0 fois 5 plus 0 fois 8. Ça nous donne bien 2. Et enfin, est-ce qu'on peut retrouver le troisième élément, le numéro 3 ici, le nombre 3 Eh bien on a 1 fois 3 plus 0 fois 6 plus 0 fois 9 en prenant la dernière colonne ici. Et ça nous donne bien sûr 3. Donc cette première ligne reconstruit bien également la première ligne de la matrice résultat. Alors ensuite on va s'intéresser par exemple à la deuxième ligne avec chiffre 4 ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette deuxième ligne de la matrice identité pour obtenir cette deuxième ligne de la matrice résultat Et eh bien ce chiffre 4 ici est le résultat du produit de la deuxième ligne de la première matrice avec la première colonne de la seconde matrice. Or on voit que le résultat est 4, et 4 se trouve au milieu de cette première colonne. Donc, intuitivement, eh bien, on a envie de remplir cette seconde ligne de la façon suivante. 0, 1, 0. Alors on peut vérifier tout de suite ce que ça nous donne. 0 fois 1, 0, plus 1 x 4, 4, plus 0 fois 7, et on reste toujours à 4. Donc on a bien reproduit notre 4. Ensuite, pour le 5, qu'est-ce qui se passe eh C'est on multiplie cette ligne avec cette deuxième colonne. Donc ça fait 0 fois 2 plus 1 fois 5 plus 0 x 8. Ça fait bien 5. Et pour ce dernier élément ici, eh c'est le résultat du produit scalaire entre la deuxième ligne, première colonne, et la troisième colonne, deuxième matrice. Donc 0 x 3, 1 x 6, et 0 x 9. On retrouve bien 6 avec ce produit scalaire. Donc la deuxième ligne, c'est bien 0, 1, 0. Donc enfin, dernière ligne à construire dans cette matrice identité. Donc on va se servir du chiffre 7 ici. Comment reconstruire le chiffre 7 à partir du produit scalaire de cette dernière ligne et de la première colonne de la seconde matrice Et bien encore une fois, la solution la plus simple, c'est de faire 0, 0, 1. Pourquoi Parce que ça nous fait 0 fois 1 plus 0 fois 4 plus 1 fois 7. On obtient bien 7. Pour avoir le 8, est-ce que ça marche 0 fois 2 plus 0 fois 5 plus 1 fois 8. Ok, on retrouve notre chiffre 8, et enfin 0 x 3 plus 0 x 6 plus 1 x 9, et eh bien on retrouve bien le chiffre 9. Donc la matrice identité de dimension 3, je la réécris ici, I, on vient de la trouver, c'est tout simplement 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. La voilà. Alors ce qu'il y a de bien avec cette matrice identité, c'est qu'elle est très facile à retenir. Par exemple, si je veux construire une matrice identité de taille 2, 2, donc I, de 2, 2, qu'on va d'ailleurs souvent noter I, 2, puisque la matrice, carré, la matrice identité pardon, est carrée, et eh bien ça va être, et ça j'imagine que tu l'auras deviné, 1, 0, 0, 1. Par exemple, je peux écrire la matrice identité de dimension 4, I, 4. Plein, et eh bien I4, ça va être très simplement 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, et enfin 0, 0, 0, 1. C'est-à-dire que les matrices identité de dimension n sont bien sûr des matrices carrées, avec des 1 sur toute la diagonale qui part du coin en haut à gauche pour arriver au coin en bas à droite. Donc pour finir cette vidéo, je vais te laisser un petit exercice à faire par toi-même. Alors on sait que la multiplication matricielle n'est pas commutative, du coup, quel est le résultat de l'opération suivante A la matrice A fois la matrice identité.